non, je ne vais pas appuyer sur le bouton, ça risque pas de marcher. Bonjour à tous. Aujourd'hui, le ciel, il est gris. Eh ben, qu'est-ce que je pourrais bien dire, moi, vas-y. J'ai mal partout. Il y a de quoi, remarque. Hein. J'ai ma clavicule qui me fait chier, vas-y. Ah, les vieilles blessures de guerre qui ressortent. Ah, la vache. Enfin, c'est pas grave, ça va passer, mais je suis emmerdé avec ma clavicule. Bon, vas-y. Il suffit que je me place mal pour dormir, et puis vas-y, j'ai mal. Je peux dormir que sur le dos. Avant, je pouvais dormir que sur le côté, je pouvais pas bouger. J'étais des années à cause de ma hanche pétée, là, j'étais obligé de dormir comme ça, je pouvais rien faire. Enfin bref, ça on s'en fout. Ouais. L'autre petit rigolo qui s'était amusé à dire qu'il se permettait de me visiter là, l'autre. Il sort de son corps et il me visite. Ah ouais. Ah, je sais que tu parles en langue, tatati, que ça te fait peur, que tu parles des langues, tu comprends pas qu'est-ce que tu dis. Ah ouais. C'est facile de lire tout ce que j'écris sur Internet pour tricoter dessus, hein, c'est bon quoi. Ouais. Puis si tu t'avises à venir ici, hein, mon gars, soi-disant parlant, hein, je dis bien soi-disant parce que c'est facile de raconter ce qu'on veut. Hein. Ouais. Pour ça que j'ai fait mon petit sketch de langue là, pour me foutre de ta gueule, mon gars. Ouais, parce que je peux parler mieux que ça, évidemment, mais vas-y. Hein. Je me suis bien foutu de ta gueule. Ouais. Bah, on me dit que je parle en langue, alors je t'en ai donné de la langue, hein? Ouais. Je peux même aller chez mon boucher, en acheter une belle, là, puis je vais te l'amener. C'est aussi con que ta connerie, toi. Par une connerie, moi, je réponds à une connerie. Quoique, c'est pas tellement intelligent, parce que se mettre au niveau des autres... À force de se mettre au niveau des autres, on finit au niveau du trou du cul. Alors là, non, non, non. Ça fait un peu bas pour moi. Lol. Évidemment que je peux parler des langues. Évidemment que ça m'est arrivé. Évidemment que ça m'arrive. Ouais. Et vu que j'ai l'esprit, j'ai des connaissances qui viennent en moi, hein, c'est obligé, hein, comme t'as l'Esprit Saint. T'as plein de connaissances qui viennent de là-haut, hein, du Père, c'est tout, hein, il n'y a pas besoin de faire de cinéma, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Hein? Hein. Comme on a eu plusieurs vies sur Terre à différentes époques, c'est obligé qu'on a des souvenirs qui reviennent. Hein. J'en ai plein. Hein. Hein, j'ai parlé l'araméen, j'ai parlé l'hébreu, j'ai parlé d'autres langues. Hein. C'est obligé. Hein. Puis que j'ai eu la mémoire des langues indiennes, c'est normal aussi. Hein, vas-y. Hein. J'ai des chansons qui viennent comme ça, des chansons indiennes, des chansons hébreux, des chansons. Bah, ils viennent, hein, c'est tout. Ça me vient dans la tête et je chante, c'est tout. Je peux même répéter des textes que, comme j'entends parler hébreu, je peux répéter la phrase avant même qu'il ait fini l'autre. Alors c'est normal, hein, la mémoire, c'est juste ma mémoire. Maintenant, si c'est pas ma mémoire à moi, bah vas-y. Hein. Enfin, d'après ce que j'ai fait mes recherches, vas-y. Hein. Avec les archontes, tout ça. À savoir. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai déjà dit pas mal de trucs, c'est. Vas-y. Et des fois, il y a des secrets qu'il vaut mieux pas dévoiler, quoi. Parce que si je vais plus vite que la musique, évidemment que ça peut pas le faire. Hein. Ouais. Bah, j'espère que tout le monde va bien. Je vous embrasse. Tout le monde. Ah oui, le temps s'arrange pas. Rabbi, j'ai hâte de voir ta vidéo. Enfin, si t'as le temps de la faire, parce que moi j'arrive toujours. Disons qu'il me l'envoie peut-être le lendemain, moi. Ou le jour même, ça dépend. Ça dépend comment que ça fonctionne. C'est sûr que tu peux très bien dire demain je fais une vidéo, mais tu peux avoir un empêchement. Ou vas-y, hein, surtout que dans ta situation. Voilà. C'est pas évident d'avoir Internet. Enfin bon. Tu sais te débrouiller. Question de te démerder, t'as appris à te démerder tout seul, obligé, hein. Je sais pas si on va avoir du soleil, là c'est gris, gris. Complètement gris. Ouais, c'est triste, hein. Je profite de faire une petite vidéo vite fait avant que l'autre il arrive, là, vas-y. Ouais.
Déjà, j'ai passé l'aspirateur et tout ça, ouais, parce qu'après, il va gueuler, après, il va dire, ouais, t'as rien fait, vas-y. Voilà. Ah, bah, ce matin, ça a encore commencé de bonne heure, hein, vas-y, hein. Il a coupé le pain avec ses mains au lieu de prendre le couteau, il a pris le côté qui était plus cuit, forcément. L'autre coup, il m'a laissé que le côté le plus petit et puis pas trop cuit. Il se fout de ma gueule, non? Moi, comme je coupe un truc, je coupe à égalité, et puis voilà, hein. Enfin, bref, de toute façon, c'est un trou du cul, c'est un crise de. Trou du cul, alors, de toute façon. Voilà. J'en ai marre de perdre mon temps avec tout ça. Puis discuter, parler, je vais finir par plus dire, ne plus dire de mots, ne plus parler. J'ai déjà fait, j'avais déjà fait une fois. J'étais pendant un mois où je suis plus 15 jours sans parler, sans dire un mot. Il est devenu fou, je parlais plus. Je peux encore le faire. Hein. Je suis capable de fermer ma bouche, moi, si je veux. Hein. Ouais. Ah bah les gens ils deviennent fous, ils disent ouais parle pas, c'est quand qu'elle va se mettre à parler, c'est quand qu'elle va arrêter de faire la gueule. C'est pas que je faisais la gueule, je voulais donner une leçon. Je voulais donner une leçon ce jour-là. Moi quand je me tiens à un truc, je me tiens à un truc, hein. Je vous le dis que je suis têtu, hein. Je suis pas du taureau pour rien. Hein. Ouais. En plus j'ai la planète Saturne comme je suis né, alors vas-y, hein. Je suis du taureau, du tigre, alors c'est bien. Méfiez-vous du tigre, ouais. L'autre, j'ai fait une vidéo que je lis la Bible. Stop! Ah bah, t'as vu qui c'est qui t'a stoppé, espèce d'enfoiré là? Je t'ai bloqué et je t'ai dénoncé à YouTube. Harcèlement, j'ai mis, harcèlement. Puis c'est la vérité. Tu me feras plus chier, toi, l'autre abruti là. J'ai même pas envie de redire ton nom. Le trolleur de mes deux, là, que j'ai pas, là, vas-y. Ouais. Je t'ai dénoncé. Je l'avais déjà fait, mais je t'avais averti, et voilà. J'avertis, mais à un moment donné, vas-y, hein, faut que tu t'apprends, là, faut que tu te la prennes, la spatule dans la gueule. T'as moins rigolé, de toute façon, après, vas-y. Les petits merdeux, là. Oh. Stop, stop. J'ai quand même bien le droit de faire ce que je veux sur ma chaîne, non? Je me suis jamais laissé. Enfin bon, vas-y, hein. Je me laisse pas faire. Tant de la joue, oui, mais ça dépend pour qui, hein, vas-y. Ouais. Moi, les microbes, là, les démons, là, les. Allez chier, quoi, allez chier. J'ai rien à faire avec les serpents et les vipères, vas-y. Les cafards, là, vas-y, hein. Je vais tendre la joue, moi, à des démons, non, mais ça va pas, non, je leur botte le cul, moi, c'est bon, quoi, vas-y. Bon, alors, Soleil, tu vas venir ou pas, Soleil? Ouais, à chaque fois que je demande, il vient, alors, quand je dis Soleil, Soleil, hop, il se lève, vas-y. Hein? Bah, il va venir, hein. Bon, alors moi, il faut que je cherche tous les Bouddhas de la Terre. Ouais, j'en sais rien, moi. Hein, j'ai écrit, j'espère avoir des nouvelles. Voilà. Voilà. Parce que. Bon, on verra bien. Pour l'instant, j'attends la vidéo. Elle va peut-être arriver tout à l'heure ou plus tard. Ou peut-être une journée en retard, c'est. J'en sais rien. Ce qui m'embête, j'arrive plus à mettre les traductions. Là, j'ai mis un programme d'anglais sur mon téléphone là, pour traduire. Ça va me servir, puis je vais mettre autre chose. J'ai bien envie de me mettre à l'anglais, moi. Tant pis, il est jamais trop tard hein, pour bien faire. Parce qu'à mon école, ils commençaient à faire un programme pour apprendre l'anglais. Ah non, ils avaient suggéré qu'ils allaient le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Après, je suis parti après. À 14, je suis allé au collège, ouais. Ça peut durer longtemps parce qu'à 16, je me suis barré. Enfin, avant mes 16 ans, je suis pas revenu. Alors, ouais. Enfin, bref. On devait me mettre dans. Je devais apprendre un métier. Ouais. Mon père, il travaillait au collège, donc il avait des. On lui avait donné des. Bah, disons qu'il avait certains privilèges. Il pouvait me trouver une place au collège pour travailler. Et puis voilà, ça s'est pas fait parce qu'il a fait le con. Voilà. Il a fait le con, donc bah, qui c'est qui a payé? Bah, moi, j'ai payé aussi. Voilà, sa connerie. Enfin, bref. Merci, bah, c'est comme ça, voilà. Donc ça s'est pas fait ce que je vais faire comme métier.
J'avais beau être malvoyante, ils pouvaient me trouver une place spéciale, voilà. Hein. Mais voilà, tout est tombé à l'eau. Bah oui, papa a fait le con et ben, Dominique, elle a payé les pots cassés, voilà. En plus, on se foutait de ma gueule, en plus, par-dessus le marché. Ah bah, il y avait de quoi, Romain. Enfin bref. C'est comme ça, la vie, hein. Hein. Allez, soleil. Écarte-moi ces nuages, là, vas-y. Ouais. La vie est quand même bizarre, il y a des moments, hein. Bizarre, oui et non, parce qu'avec tout ce que j'ai pu voir de bizarre, on va encore me traiter de folle, oui, vas-y, oh, de toute façon. J'emmerde des cons, voilà, vas-y. Ah, c'est pour ça qu'on n'a pas de soleil. Ah la vache, j'avais oublié qu'il y a tous les cons qui tournent en orbite là au-dessus, c'est pour ça. Ouais. J'ai écouté de la musique toutes les jusqu'à 4 heures. Ouais, tous les jours, je me réveille à la même heure. 4h10, 4h20, selon. Tous les jours, je me réveille à la même heure. Là, j'ai écouté de la musique à 432 Hz. Puis voilà. Bah, j'en ai une que j'ai écoutée pour les rêves. Les rêves. Comment on appelle ça? Les rêves conscients. Ouais, ça fonctionne parce que je vois du bleu, tout ça. Je vois les trucs bleus que je voyais. Ouais, vas-y. Donc je vais arriver à la rouvrir la porte là. Hein. Enfin bref, je vais y arriver. Je vais y arriver. Bah, de toute façon, je refais de la méditation, donc ça va remachiner tout bien, parce qu'il faut que je rééquilibre les chakras et tout ça, et les énergies là. Parce qu'ils m'ont saturé, hein, les cons. Hein, et à force de me faire chier, c'est pas bon, quoi. Ils font descendre les énergies plus bas. Il faut que ça soit plus haut, les énergies. Si ça circule pas bien dans les chakras à cause qu'ils nous font baisser d'intensité, c'est pas bon. Enfin, on comprendra. De toute façon, les énergies du corps, c'est. Ah, vas-y, hein, c'est. Si on est pollué par tous ces cons, là, vas-y, ça le fait pas, quoi. Faut rester dans la lumière, faut pas aller vers l'ombre, hein. Ça c'est sûr, hein. Ouais. Je vais faire encore des recherches et puis faudrait que je continue à lire mes livres vite fait parce que je n'aurai pas le temps de le faire. Ouais. J'en ai encore des ouvrages à commander et puis je le fais pas. Bon, je vous dis à quoi que ça sert vu le temps qui reste. Enfin bref. Je vais faire trop de choses en même temps, c'est ça le problème. Ouais, vas-y. Puis l'autre, il est tout le temps dans mes pattes. Moi j'aimerais bien étudier pendant 8 heures d'affilée, je m'en fous moi. Moi c'est comme ça, moi vas-y, hein, je bois un café, je mange une tartine, et je bouffe un fruit, et puis vas-y, hein, et puis je continue mon travail à étudier. J'ai eu des fois voir 4 heures qui passaient comme ça sans m'en rendre compte. Hein. J'ai les mains, s'il est déjà cette heure-là, bah oui, je suis tellement concentré sur ce que je fais que je vois pas le temps passer, quoi. Moi j'aime bien étudier, j'ai passé ma vie à le faire. Ouais. La chance que j'ai eue d'être handicapé, ouais, ça permet d'étudier toute sa vie, ouais. De 10 ans, hein. L'âge de 10 ans, et puis jusqu'à maintenant. Ouais. Ça vaut le coup de pas travailler. Ouais. Ouais. On a tout le temps pour faire ce qu'on veut. Enfin, ça dépend si. Comme t'as un boulet là derrière toi, là, vas-y. La solitude, parfois, est mieux que. Ouais. Ça m'a permis de. Bah, de toute façon, on apprend, hein. On apprend surtout, hein. Ça aide à l'ouverture de l'esprit, hein. Enfin de. Ouais, après tu reçois l'esprit, après, ouais, c'est sûr. Une fois que tu es ouvert. Ouais. Bah, je vous embrasse tous, hein, et puis voilà. C'était juste une petite vidéo comme ça, quoi, vas-y. J'espère que tout le monde va bien, puis voilà. Voilà. Kitoff, je t'embrasse, j'espère que ça va, hein. Enfin, tu vois de quoi je veux parler, quoi. Voilà. Cœur d'artichaut, je te fais des gros bisous, ma soeur. Et puis voilà, j'embrasse Rosine, ma grande soeur, et puis, enfin, tous les autres, quoi. Philippe, plein de gros bisous. Yolner, R1,
plein de gros bisous aussi. Et à Monsieur Hermite, et puis j'ai dû en oublier d'autres, hein, mais voilà. J'embrasse tous les autres aussi. Marie, 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 Marie-Laure. Il y a Marie-Laure, je crois, ouais. Puis voilà. J'espère que vous allez tous bien, puis voilà, que vous allez passer une bonne journée, et puis. Puis voilà. Nathalie, je te fais des gros bisous. Richard, aussi. Je pense aux petites, aux chats et aux chiens. Puis voilà. Je crois que j'ai rien oublié, ouais. Ouais, je sais, elle est insignifiante, ma vidéo, mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Voilà. Merci à vous tous. Hein. Ah ouais, puis merci pour tous ceux qui ont. Et ah ouais, j'aimerais remercier ceux qui m'ont même pas répondu. Hein, comme je dis, les abonnés, dites-moi que vous êtes abonné à moi pour savoir. Parce que je me rappelle pas, moi, tout le monde qui est abonné. Donc, bah, si je supprime une chaîne, bah tant pis. Hein. Il y en a auxquels je suis abonné, bah tant pis pour vous. Hein. Vous aviez qu'à me répondre. Hein. Pour ma part, il y en a qu'une qui m'a répondu. Hein. Voilà. Alors merci aux autres qui n'ont pas répondu, tant pis, hein. Voilà, au revoir.